Et ce matin, je vous propose la lecture de la parabole du riche et de Lazare dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit, « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. » Qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'autre reprit, non Abraham mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 298, les strophes 1, 2 et 3, dans les louanges et prières.
Je vous invite à la prière. Et si c'était possible d'avoir quelques gouttes d'eau, merci beaucoup, parce que je pense que je n'irai pas jusqu'au bout de la prédication. Excusez-moi. Je vous invite à la prière avant de méditer ce texte qui est un texte terrible. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source de nouveauté. Quand Jésus raconte la parabole du riche et de Lazare, il est en pleine discussion avec les pharisiens sur la façon d'user des biens de ce monde et de respecter la loi. Cette parabole ne tombe pas comme ça du ciel, si j'ose dire, sans un contexte autour. Et pourtant, ce texte a été retenu par beaucoup de théologiens, parce qu'il est rare dans le Second Testament de trouver une histoire qui traite directement de la vie après la mort. Bien sûr, la mère des fils de Zébédée a bien demandé à Jésus de réserver une place pour ses fils dans le ciel, l'un à la droite du Seigneur, l'autre à gauche. Mais la question de savoir où les humains vont après la mort reste assez évasive dans le Second Testament. Il est question du ciel, d'une vie auprès de Dieu, mais il n'y a pas de précision sur l'au-delà. Même Lazare, celui qui est ressuscité par Jésus, dont la mort est décrite par les survivants et qui revient du trépas, même lui ne décrit pas ce lieu ni cette condition de ceux qui ont traversé l'ultime clôture. C'est sans doute pour cette raison que les théologiens chrétiens, et plus particulièrement protestants, qui se sont intéressés à la vie après la mort, ont très souvent choisi comme appui biblique ce texte de l'évangile de Luc. Dans la parabole de Jésus, deux thèmes se mêlent inextricablement, le jugement dernier et la félicité éternelle. Cette histoire est terrible, je le disais, car le ciel apparaît ici comme un envers du monde, dans lequel les hommes qui ont été heureux et choyés doivent en payer le prix fort, quand les miséreux qui ont souffert toute leur vie, eux, se retrouvent sur le sein d'Abraham, comme maternés par ce vieux patriarche. La parabole semble prévenir les vivants de ce qui les attend dans l'arrière-monde en disant « tout se paye ». Dans la parabole du riche et de Lazare, le pauvre Lazare se trouve sur le sein d'Abraham, ce qui revient à dire dans les Écritures qu'il a retrouvé ses ancêtres, qu'il dort avec ses pères. Merci. En effet, dans le Premier Testament,
On utilise cette image de se coucher avec ses pères pour parler de la mort. David se couchera avec ses pères, Salomon aussi. Dans le premier livre des Rois, vous retrouvez cette expression. Cette image implique une fidélité due à ses ancêtres exemplaires dans la foi. Abraham ici représente une norme pour le croyant. Se retrouver près de lui n'est possible que si l'on a cru comme lui durant sa vie. Il y a donc une exemplarité qui pourrait tendre vers une dimension morale dans cette expression. Les théologiens de toutes les époques ont eu du mal à résister à cette conception morale de la vie après la mort qui revient à une théologie de la rétribution, il faut bien le dire, c'est assez choquant comme texte. Ceux qui se sont conformés au commandement divin sont emmenés au ciel, portés par les anges, et ceux qui ont été incrédules ou pécheurs sont emmenés aux enfers, et ils subissent toutes sortes de châtiments. Voilà l'image de l'au-delà qui a couru à travers les siècles et dont on a du mal encore aujourd'hui à se débarrasser. C'est dans ce contexte que se déploie la réforme de Luther, puis celle de Calvin. La mort et l'agonie inspiraient tant la peur que les prêtres d'alors s'en servaient comme aiguillon pour appeler les fidèles au repentir et à la soumission à l'Église. D'où la multitude de pèlerinages, de cultes des reliques, de commerces d'indulgence, que les croyants prenaient pour des moyens d'atténuer le courroux de Dieu contre eux. Le Dieu d'amour était bien loin de celui qui a envahi les théologies de notre époque. Dieu était alors un juge intraitable qui séparait sans pitié le bon grain et l'ivraie et n'aimait que les justes. Luther lui-même avait les cheveux qui se dressaient sur la tête quand il pensait au jugement dernier, écrivait-il. C'est d'ailleurs à cette angoisse que l'on doit sa théologie de la grâce par la foi seule. Avec Luther, l'enfer et le purgatoire ne disparaissent pas, mais l'amour pour Dieu, contemplé dans la croix du Christ, suffit à accepter tout jugement sans rien craindre de l'au-delà. Accepter son sort par un amour pur pour Dieu, voilà le vrai salut pour Luther. Il faut donc que l'homme renonce à faire son salut par sa propre volonté, qu'il renonce à toute velléité d'auto-justification pour pouvoir entrevoir la joie profonde de la grâce. Mais encore une fois, il y a toujours la menace de l'enfer. D'autres réformateurs comme Calvin continuèrent ce travail pédagogique de renoncement à la volonté humaine dans la question du salut. Pour Calvin, les chrétiens ne devaient pas s'inquiéter de leur salut parce que Dieu réservait aux croyants la résurrection. Aux croyants. Non pas la résurrection dans un nouveau corps, mais la résurrection spirituelle. Une vie éternelle avec Dieu. Bien sûr, il y avait les autres. Mais tant pis pour ceux qui ne veulent pas croire au Christ, la damnation restait toujours valable. En lecteur assidu du livre de Job, Calvin se posait bien le problème de la justice divine et de l'universalité du mal, qui touche aussi bien les justes que les méchants. En effet, comment un Dieu juste pouvait-il laisser souffrir le juste? Et comment pouvait-il laisser le Satan tenter les hommes? Ne pouvait-il rien faire contre cela? La souffrance devint alors, avec Calvin, une pédagogie permettant au juste de rester droit dans sa foi malgré les épreuves. Il fallait donc subir et en être content puisque l'on apprenait ainsi à résister à toute tentation d'abandon de la foi. Éprouvés au creuset de la souffrance, les réformés le furent et longtemps. En France, c'est évident. Et tout un discours de consolation des justes s'élabora alors pour tolérer l'intolérable et réussir à bien mourir. Agrippa d'Aubigné raconte en poésie le martyr des réformés de France, mourant pour que l'Évangile vive. Dans le livre 4 des Tragiques, il décrit le réconfort qu'une jeune réformée obtient sur son lit de torture de la part de Dieu lui-même qui se met près d'elle. Son œil vit l'œil mourant,
le baisa triomphant. Sa main lui prit la main et sa dernière haleine fuma au sein de Dieu qui, présent à sa peine, lui soutint le menton, l'éveilla de sa voix. Il larmoya sur elle, il ferma de ses doigts la bouche de louange achevant sa prière, baissant des mêmes doigts pour la fin la paupière. Cette douceur de Dieu à l'égard du mourant tranche avec la violence des propos de l'époque à propos des réprouvés de Dieu. Cette littérature de consolation va connaître un vrai succès et bientôt le bon chrétien ne devra plus éprouver aucune angoisse à l'approche de la mort, mais mourir heureux. William Perkins, théologien calviniste de l'époque élisabéthaine, propose un recueil des dernières paroles de croyants exemplaires pour consoler ceux qui s'approchent de la mort. Comme les dernières paroles du Christ, ces paroles sont là pour édifier le croyant et lui apprendre à mourir en bon chrétien, confiant et apaisé. Il cite le réformateur de Zurich, Zwingli, qui aurait dit après avoir été blessé à mort à la bataille de Cappel, « Oh, quelle chance est cela ! Ils peuvent tuer mon corps, mais mon âme, ils ne peuvent. » Ou encore le réformateur Mélenchon, « Si telle est la volonté de Dieu, je désire mourir, et je lui demande de m'accorder un joyeux départ. » Ou enfin Calvin, qui aurait dit, « Seigneur, tu m'as réduit en poussière, mais cela me convient, car c'est de ta main. » Tous ces traités de consolation étaient une façon de dire que Dieu décidait de la mort de tout homme et de son sort. Conforme à l'idée contenue dans la parabole du riche de Lazare, cette conception de la prédestination ne modifiait toujours pas l'idée du jugement dernier, séparant les âmes pures des âmes damnées. Mais cela paraissait déjà un progrès par rapport au discours de l'Église catholique romaine qui, à cette époque, non contente de faire peur aux infidèles, faisait aussi peur aux fidèles, qui de toute façon souffriraient au purgatoire s'ils n'achetaient pas leur ciel. Il fallait prouver qu'on était bon chrétien. Dans les premiers temps de l'Église, les théologiens comme Clément d'Alexandrie avaient avancé l'idée d'une béatitude pour tous les hommes au IIe siècle. Cela remonte à loin, mais il avait même imaginé un endroit aux abords de l'enfer où les justes qui n'avaient pas connu le Christ pourraient se reposer eux aussi. Ce lieu, il l'avait appelé le sein d'Abraham. Jésus serait descendu les retirer de là pour les emmener près de Dieu. L'Église d'alors trouva Clément trop généreux et lui refusa le titre de père de l'Église. Ce qu'il disait là n'allait pas du tout. Origène, lui aussi, essaya la voie de la bonté de Dieu pour tous les hommes et la soumission des ennemis à Dieu par le Christ. Mais là aussi, sa proposition ne fut pas reconnue orthodoxe. Il fallait que les impies et les méchants payent. Est-ce si difficile de penser que Dieu puisse aimer infiniment au-delà de ce que l'on peut imaginer, plus que tout ce que nous pouvons penser, et qu'il puisse aimer tout homme au-delà de toute faute? Apparemment, l'Église a eu bien du mal à imaginer cela. Que ce soit dans la parabole du Christ, du riche pardon, et de Lazare, dans les manuels de consolation ou dans l'institution chrétienne, le ciel est toujours conditionné à une morale. Il y a les bons et les méchants. Être croyant en Dieu et en Jésus-Christ veut dire se conformer à la loi de Moïse et entendre la parole des prophètes. Et celui qui ne se conforme pas à ces critères ne peut pas espérer le ciel. On pourrait dire qu'il faut bien une justice après tout. Mais si la justice de Dieu est la même que la justice des hommes, alors à quoi bon croire en Dieu ? Dieu n'est-il pas tout autre, au-delà de nos jugements ? Que faire de l'athée vertueux ? De celui qui aime son prochain et fait le bien plutôt que le mal sans connaître Jésus-Christ ou sans avoir cette conscience étrange qu'un Dieu existe auprès de lui ? On est tenté avec Clément d'Alexandrie de lui faire une place au ciel.
Les philosophes comme Spinoza ou Pierre Bell ont essayé d'avoir un regard critique sur les textes bibliques et sur les doctrines que l'Église avait élaborées. Mais chaque fois, le dialogue fut rompu parce qu'on les traita d'hérétiques ou d'athées, sans comprendre qu'ils étaient peut-être en train de confesser une foi en un Dieu infiniment aimant. Le véritable problème que pose l'au-delà, c'est précisément qu'il est au-delà, c'est-à-dire qu'il outrepasse ce que l'on peut connaître et qu'il oblige l'homme à recourir à l'imagination. Que sait-on de ce ciel qu'on appelle parfois paradis ? Pourquoi en inventer 3 ou 10 comme le firent les auteurs antiques, les théologiens qui voulurent placer toutes les personnes qui habitent le ciel, les anges, les trônes, les démons, enfin tout cela, il fallait bien le placer quelque part et on a inventé beaucoup de cieux. L'arrière-monde me fait penser à l'arrière-cuisine de ma grand-mère, figurez-vous. Une pièce fraîche où étaient stockées les denrées délicieuses qu'elle avait fabriquées pour plus tard, quand l'hiver arriverait et que la saison des fruits serait passée. Fruits au sirop, confitures, conserves de légumes, tout y promettait un monde à venir où il ferait bon vivre, une félicité éternelle. Mais pour remplir les étagères, il avait fallu travailler dur dans le jardin et à la cuisine et transpirer beaucoup. L'arrière-cuisine était l'image des efforts consentis pour remplir ces étagères de bienfaits. Le ciel est encore trop souvent vu comme le mérite des efforts consentis dans ce monde. Mais comment ne pas penser aux vies errantes qui ne peuvent consentir aucun effort tant leur faiblesse est grande? Les vies sans but pour lesquelles un jour pousse l'autre, avec pour seul horizon la survie. Beaucoup de nos contemporains vivent encore comme cela. Dieu n'est-il pas miséricordieux pour ceux-là même qui ont le plus besoin de son amour? Et pour les méchants, les bourreaux, les irrécupérables de l'amour, Dieu n'est-il pas là pour aimer leur vie à eux aussi? Que savons-nous de ces choses incompréhensibles qui font qu'un homme passe sa vie à faire du bien tout autour de lui autant qu'il peut quand un autre semble prendre un malin plaisir à faire le mal partout? Que pouvons-nous juger de cela? Que savons-nous de ce ciel et de ce qui s'y passe dans l'amour de Dieu? Le problème de l'arrière-monde, c'est qu'il est impossible à connaître et que justement parce qu'il est impossible à connaître, on y place toutes sortes de règles, de réalités, de vérités que l'on invente. Bien persuadé que personne ne pourra aller y voir et en revenir pour contester ce qu'on a avancé. L'arrière-monde est une sorte de tyrannie spirituelle qui s'exerce sur les vivants et qui, tout en leur faisant peur du futur, les détourne de leur véritable tâche, vivre cette vie ici-bas, ici et maintenant. Dans la parabole de l'évangile de Luc, le personnage du riche est intéressant pour le lecteur de son vivant, car il ne pose pas le problème du pauvre qui dort à sa porte. Pour lui, il ne voit rien. Cela ne lui pose aucun problème qu'il y ait un miséreux à sa porte. Le riche nous montre aussi notre aveuglement dans cette vie et les conséquences d'une telle attitude. Conséquences pour le pauvre d'abord, qui ne trouve pas de secours et dont la vie est pitoyable. Et conséquences pour notre vie, dont l'amour du prochain est atrophié et nous prive de la joie, du don, du partage et de l'amitié. Quant à Lazare, il n'est pas plus vertueux parce qu'il est pauvre et couvert d'ulcères qu'un autre homme riche et en bonne santé. Il est l'image de l'amour de Dieu pour tout homme qui souffre. Il est image de consolation pour tous les oubliés de la terre. Sa pauvreté n'est pas vertu, elle est signe. Signe pour nous de ce que le Seigneur nous donne à aimer.
Vivre selon la loi et les prophètes, ce n'est pas préparer sa mort. Comme le croit le riche qui demande la clémence de Dieu pour ses frères, il imagine que c'est encore rattrapable. D'ailleurs, Jésus lui explique que quand bien même un homme reviendrait de la mort pour les prévenir, il ne le serait pas cru. Vivre selon la loi et les prophètes, c'est faire advenir le salut de Dieu dans ce monde. C'est vivre avec Dieu ici-bas. Plutôt qu'un arrière-monde, je vous propose de penser ce monde-ci. Le seul que nous connaissions, celui dans lequel nous vivons, celui des hommes, des femmes et des enfants qui ont besoin de pain, de confiance, de fraternité, de justice, d'amour, de joie, de consolation, ici et maintenant. Car en effet, quand vous serez mort, il sera trop tard pour poser le problème de ce qu'il fallait faire pour eux et pour votre vie. La mort ne nous appartient pas. L'au-delà, nous ne le connaissons pas. S'il existe, c'est l'affaire de Dieu. Le ciel se révèle chaque jour dans nos vies. Il est le ciel de tous, les bons comme les méchants. Et ce qui nous est demandé pour le voir s'ouvrir chaque jour dans nos vies, c'est d'aimer. Non pas aimer ce qui est à notre goût, mais aimer comme Dieu nous aime. Tout homme, qu'il nous plaise ou non, les pauvres et les riches, les bons comme les méchants, et nous comporter en frères des hommes, de tous les hommes, sans préjuger de la valeur de tel ou tel. C'est difficile, cela paraît parfois impossible. Ce n'est pas la morale qui doit dicter cette attitude, mais la foi, et c'est pour cela que c'est difficile. Il ne s'agit plus du bien ou du mal ici. Il s'agit d'aimer en aveugle, en faisant confiance à Dieu. Et c'est pour cela que c'est gratuit, sans jugement et sans mérite. Ce n'est donc pas ce qu'on gagne à agir ainsi qui va compter. Ce n'est donc pas ce qui est promis dans l'au-delà qui va compter. Mais c'est ce qui nous change radicalement et nous révèle à nous-mêmes, comme enfants de Dieu. Découvrir la joie de partager, la joie de donner, la joie d'aimer, n'a pas de prix, et repousse bien loin la préoccupation de l'arrière-monde. Et si notre faute nous taraude, si notre conscience ne paraît pas pure à nos propres yeux, la grâce de Dieu doit suffire à nous apaiser. N'est-il pas celui qui aime inconditionnellement? Mais me direz-vous, et la résurrection alors? Eh bien, le Christ est ressuscité par le témoignage qui a été rendu à sa vie d'âge en âge. Mais s'il avait vécu une vie tournée vers lui seul, sans idéal, sans le ciel pour règle, sans l'immensité de l'amour comme horizon, sans espérer un monde meilleur et sans y travailler lui-même, sans y risquer sa vie, pensez-vous qu'il aurait laissé la même trace sur cette terre? Qu'on l'ait suscité de nouveau en vivant à son exemple a été sa véritable résurrection. Il ne cherchait pas à gagner son ciel. Il voulait faire descendre le ciel sur tous, les riches, les pauvres, les collecteurs de taxes, les rois, les prostituées, les bons Israélites et les païens. Il a vécu de l'amour de Dieu et a aimé à son exemple. Dans l'amour de Dieu, nous pouvons connaître le bonheur de la confiance et de la paix. Et nous pouvons être assurés de sa grâce infinie à notre égard. Il ne nous manque rien pour répondre dès maintenant et ici-bas à l'exhortation de notre Seigneur « Va et fais de même ». Alors le ciel commencera ici, et nous n'aurons plus de raison de nous soucier de notre fin. Nous marcherons par la foi comme Abraham, convaincus qu'aux yeux de notre Seigneur, toute vie a du prix. Amen.